Coucou et bienvenue sur un scrap. Voilà, nous allons vous faire des petits embellissements. Et oui, je suis partie dans mes petits embellissements. Donc, nous allons faire un petit tag. Voilà, sur le même système que les petits embellissements que je vous ai montré comme ça. Que c'était une petite abonnée. Ça, je les ai fait. Je vous les ai montrés en vidéo. Et j'ai une petite abonnée qui me l'avait fait comme ça, une comme ça. Voilà, je pense que vous vous rappelez de qui ça vient. Voilà, et donc voilà, je voulais refaire un petit embellissement. Donc j'en ai refait deux comme ça que je vous ai fait, et je voudrais faire avec vous un petit embellissement sur le même thème, mais avec ceci monté sur un tag. Sur un petit tag comme ça. Voilà. Petite découpe que j'ai fait, un petit nœud, hop, basta. Ensuite, ici, vous allez prendre votre pistolet à colle. Je vais prendre quoi? Je vais prendre cela. Non, je vais reprendre les mêmes. Prendre celle-ci. Et on va refaire la même chose. Donc, vous prenez votre petite plate. Hop. Vous collez vos petites perles. Alors, attendez, j'ai Chanel qui vient monter. Viens, Chanel. Tiens. Bon, voilà leur partie. C'est pas grave. Alors, hop, on recolle tout autour. Comme ceci. Voilà. Et comme ça. Vous venez fermer et vous coupez la partie que vous n'avez plus besoin. Et là, on referme et on colle. Voilà. Voilà ce qui vous donne ça. Cette partie-là, on va venir la coller dessus, sur le glissement. Par contre, je vais peut-être mettre. Attendez, ça s'est décollé. Je vais peut-être mettre une petite petit truc dessus. Attendez, je vais regarder. Oui, je vais mettre ça. Et je vais mettre ça au milieu. Voilà. Donc sur le petit tag, je vais rajouter ça. C'est trop joli, ça aussi. Hop. Voilà. Et on vient coller l'embellissement comme ça au milieu. Voilà, ça donne ça. Attendez, j'ai un petit fil là. On va venir le couper. On peut en faire comme on veut de ça. Hein. Et là, je vais prendre le petit lapin là. Celui-ci. Alors ça, je les ai eus sur ça en fait. Voilà. J'ai des boutons comme ça, et du coup, photocopie, et hop, le tour est joué. Et donc, ça, vous le prenez, votre petit lapin, et vous allez venir le mettre ici. Hop, un petit coup de colle, et on vient le coller ici. Voilà. Ensuite, ça vous donne ceci. Vous avez vu? Ensuite, on va venir mettre. Je n'ai pas préparé beaucoup de choses pour faire cet embellissement. Attendez. Ce que je vais faire, je vais reprendre une petite épingle.
Je les ai mis où là? C'était pas comme ça. Voilà. Vous savez que j'aime bien tous les petits trucs qui pendouillent là. D'ailleurs, il va falloir que je refasse des embellissements car c'est trop chouette. J'aime bien. Que voyez-vous, c'est mon dada en ce moment. Je n'y peux rien. Et là, je viens raccrocher l'étiquette Tilda dessus. Alors, pour ça, je vais prendre. Attendez, ma petite pince. Va prendre le plus petit trou. Je pense que ça devrait le faire. Et on va venir passer dedans. Voilà. Ça fait ça. Petite perle avec le petit mot Tilda qui va bien avec. Et ce qui allait avec cette étiquette, c'était le mot bouton comme ça. Vraiment, on va le mettre. Alors, par contre, ce que je vais faire, je vais y percer un petit trou. Un tout petit trou. On va essayer pour voir. Je voudrais essayer quelque chose. On va le percer dans le. Ici. Dans le B. Je vais reprendre ça. Et quand on n'a pas de place, on essaye d'en trouver une. Donc ça, je vais mettre ça en premier. La petite truc comme ça. Alors je vais mettre de ce sens là. De l'autre sens. Voilà. Ça comme ça. Et ça. De ce sens là. Ça va changer. Voilà. Et je vais venir le passer. Ici, j'aurais bien voulu le mettre quelque part là. Je vais venir le mettre sur le côté. Hop. Dans le petit truc là. On ferme. Voilà. Ça donne ça et je vais venir mettre un petit nœud. Et là, pour finir, mettre un petit truc ici qui serait pas mal. Je vais peut-être mettre une petite fleur qu'on m'a offert. Elles sont trop belles ces petites fleurs-là. Mais je sais pas si ça va aller. Elles sont trop mignonnes ces petites fleurs. Bah si, ça va très bien aller là. Alors, hop. Un petit peu de colle. Tout simplement, j'aurais dû mettre une feuille. Attendez, on va essayer. J'aurais dû le faire avant. Je vais en prendre une de là. Faut que je finisse de décorer mes bobines. Alors on va essayer d'en mettre une là. Plus tard, c'est collé. On va en mettre une là. Et je vais essayer d'en mettre une toute petite là. Ça va changer un peu. C'est dommage, je l'aurais mis juste avant, c'était impeccable. Je vais essayer. Mais écoutez, impeccable parce qu'on verra rien. Voilà. Voilà. Donc cela, on va rajouter un petit nœud. Avec plein de petites choses, on peut faire.
Bah, je trouve des petites choses intéressantes. Je sais pas si je vais mettre. Comme ça. Ou un beige. Suis en train de regarder. J'ai laissé ma fenêtre ouverte, on entend. J'ai les camions qui passent là. On entend le bruit dehors, hein, tout simplement. En train de chercher un joli petit nœud. Je puisse mettre là. Ouais, on va mettre ça ici. Hop. Tout doux. Voilà. Ça vous fait un petit embellissement sympa. Moi j'aime bien. Voilà, avec la petite boule là. Ça vous fait tilde et puis le bouton. Par contre, ça se met pas comme j'aurais voulu. En fait, j'aurais dû faire le sens contraire. On va essayer de l'enlever. Je voulais pas la grosse étiquette. En fait, je l'avais bien mis. Et le départ, c'est pas grave, hein. Hop, on va enlever. Puis si ça va pas, on leur mettra sur une autre aiguille. Voilà, ce que je veux, c'est dans ce sens-là, mais je vais prendre ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà. Et là. Je peux accrocher. Voilà, c'est ce que je voulais que ça fasse. Et après, on referme. On mettra le nœud après. On referme l'aiguille. Petite épingle. C'est pas évident parce que j'ai la colle qui me gêne en fait. Ça arrive. Et ça veut pas se fermer. Voilà, bébé. Oui, parce que j'ai la colle qui est en train de prendre encore. Voilà. Voilà, comme ça on voit bien les deux. Et là, je viens mettre mon petit nœud. Hop là. Voilà. Et ça vous fait ceci. Et là, même là, côté du petit lapin, on peut remettre aussi quelque chose d'autre. Regardez. Vous voyez? Alors, soit vous pouvez l'accrocher, ou soit vous pouvez mettre une épingle à linge derrière. C'est comme on a envie. Vous voyez? Et ça vous fait ça. J'aime bien. Voilà. Et ça reste avec l'ensemble du petit lapin. Vous voyez qu'on peut faire plein de petites choses, embellissements sympas. Après, on peut lui rajouter des petites choses aussi au petit lapin, etc. Mettre une petite fleur là, ou comme vous avez envie, hein. En fait, tout ça, c'est vos goûts à vous. Et vous faites ce que vous avez envie avec vos embellissements. Bon, moi, il me plaît bien comme ça. Je vais le laisser comme ça. Voilà, mes petites abonnées. Bah, écoutez, c'était pour vous faire profiter un peu de tous ces petits trucs là. Petits embellissements qui sont assez sympas à faire. Donc je vous les remontre, celui-ci, et que j'avais déjà fait celui-là tout à l'heure. Là, il me manque là une petite fleur. Moi, je vais lui mettre tout de suite parce que j'avais pas fait attention. Mettez une fleur, hop, et voilà, le tour est joué. Et ça fait joli des deux sens. Ça, je vous l'ai fait en tuto tout à l'heure. Voilà. Avec celui-ci et celui-ci qu'on vient de faire. Moi, je vais m'amuser à en faire plusieurs car j'aime bien faire tous ces petits trucs-là et après, pour mettre sur des petites créations, ça va tout seul. Voilà. Voilà mes petits abonnés. Mais écoutez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.
sur Chaîne Scrap. Bisous!